Alors, je suis Aurélie Perrin, je suis professeure d'anglais dans un collège-lycée qui s'appelle Saint-Pierre-Chanel à Thionville, qui est un établissement privé. J'exerce mon métier avec ma passion, puisque dans le cadre de mon métier d'enseignante, j'ai eu la possibilité de participer à la mise en place d'une section sportive équitation dans le club de Youth Equitation, qui met à disposition à peu près 80 boxes. La moitié est réservée pour des chevaux d'école, des chevaux de club, et une autre moitié pour les chevaux de propriétaires. On a un grand manège, on a une carrière de CSO, on a une carrière de dressage, une carrière couverte. On a une petite carrière qui est réservée plutôt pour les cours de Shetland. Benjamin Stahl, moniteur d'équitation, président de l'association Youth Passion Cheval. J'enseigne l'équitation du niveau débutant au galop 7, dans le but de leur faire découvrir plein de disciplines différentes, qui vont du CSO, du hunter, du dressage, du concours complet. Et puis donc dans le cadre de la section sportive équitation, donc en fait dans l'emploi du temps des élèves, les élèves ont une fois par semaine 3 heures de section sportive. Dans le cadre de cette section sportive, moi je leur fais les détentes, j'interviens ou je fais des détentes bilingues. Donc voilà, donc je suis avec les moniteurs, les bébés GEPS. Qui donne des consignes, etc. Donc moi, soit je me mets dans un coin et je donne des consignes supplémentaires en anglais. Et puis l'idée, c'est que en fait, pourquoi tout ça, ça se fait en bilingue, c'est que on est la seule section sportive en France comme ça à avoir les deux côtés équitation et anglais, parce que en fait, chaque année, quand il n'y a pas le Covid, chaque année, je les emmène en fin d'année en stage d'équitation en pays anglophone, donc en Irlande. Oh, marchez les filles. Très bien, ça. Je m'appelle Astrid, j'ai 25 ans. J'ai fait un bac pro CGEH, conduite et gestion d'une entreprise hippique. Ensuite, j'ai fait un animateur poney et ensuite un BPGEPS, mention équitation. Moi, au quotidien, mes tâches sont de 1. Enseigner et de monter à cheval. Moi, je gère l'équipe compétition poney, donc ouais, mon objectif, c'est de les faire progresser et de les emmener sur des épreuves un peu plus hautes et de les qualifier au championnat de France à la Motte de Bron.